Bonjour, monsieur Ndolo. Bonjour, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mademoiselle Okala, monsieur, en fait, j'ai mon dernier essai demain à votre examen de chimie et je passais vous demander si vous auriez peut-être quelques conseils à me donner. Dernier essai. Vous faites au quatrième semestre, c'est ça? Oui, monsieur. Okala Njie. Okala. Ok, oui. Bien évidemment, vous avez arrêté votre examen deux fois. Et c'était en fait un problème de manque de concentration. Donc, vous savez plus concentrer demain. C'est tout. Et monsieur, peut-être que vous pouvez m'en dire un peu plus. Par Madame, exemple, dépêchez-vous, je suis pressé. Je ne sais pas si l'oxydoréduction. Peut-être que vous pouvez me donner quelques chapitres. Ah, vous voulez l'épreuve? Bien sûr que non, monsieur. Juste quelques lignes. Ah bon, nous allons faire court. Chapitre 1, 5 et 10. Ok? Ok. C'est deux exercices. Concentrez-vous. Merci. Ok, bonne chance. Merci pour demain. Beaucoup, monsieur. Après Merci. Vous, madame. Allô, c'est quoi, maman? Ça va, maman, et toi? Et de quoi ça va? Tu sais que demain, c'est mon dernier essai en chimie. Ah, ton dernier essai? Ah oui, à propos. Demain, oui. Je me souviens de ton problème là. C'est vraiment, ça me préoccupait. Je suis allée voir le pasteur. Le pasteur, monsieur Chegan. Il a dit que tu te lèves le matin, le jour de ta composition. Tu te lèves le matin à 5 heures. Tu prends un verre d'eau. Tu bois à jeun. Tu fais le Je vous salue Marie 5 fois. Tu fais le Notre Père 10 fois. Et puis tu vas composer. Dieu sera avec toi, ma fille. Oui, ça va, je suis prête. Ne t'inquiète pas, maman. Tout ira bien, j'espère. Sinon, mon beau-fils, comment il va? J'écris le truc là demain, c'est le dernier. C'est toi, tu penses que je peux penser à ça? Quel examen? L'homme aussi, c'est le diplôme. Tu vas avoir le diplôme et tu restes seul à la maison. Je veux les petits-enfants. Il y avait la dot de Sabine. Il y avait 16 Mercedes à la dot. T'avais les bidons d'huile rouge. Allô? Oh, docteur. Oh, ma puce, c'est comment? Docteur Okala. Quel genre de docteur? Ah. Oh, qui nous fait docteur? Qui va enfin développer le médicament, la migraine. Mais t'as parlé d'autres, c'est toi, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi comme ça, c'est la matin qui me stresse. Tu es prêt depuis demain? Tu ne dois pas stresser. Mais matin, c'est tout le temps la même chose. Dans quelques heures, tu vas saisir ta chance cette fois-ci. D'autres docteurs. Reste juste calme. Je crois que j'ai tout oublié. Faut juste réviser, C'est facile à dire, vous avez passé l'année dernière. Non, faut pas dire ça, faut pas dire juste comme ça. Non, ne dis pas les choses comme ça. C'est juste le stress. Tu sais, la veille, on a tous cette sensation-là. Oh, ça, ça va aller, t'inquiète. Vas-y, respire. J'ai tout oublié, je vous assure. Non, ça va aller. Ça va aller. Laissez-moi d'abord. Parce que moi, je vous dis. Non, c'est toi. Laissez-moi. Attendez. Je vais réviser. Bonne chance. C'est mieux qu'on la laisse. Moi, je vais rester avec elle. Tu ne la lâches pas. Non, je la lâche pas. Je vais rester avec elle. Beaucoup de courage, Laura. Courage et bonne chance. Mais au Okala, qu'est-ce qui se passe? C'est pas nous cherchant que tu vas passer. J'ai peur d'échouer. Non, mais tu vas pas échouer. Mais écoute, tu vas pas échouer. Faut juste reviser. Mais j'ai peur. Si j'échoue, qu'est-ce que tu je vais faire? Tu vas pas échouer. Écoute, tu dis tu as tout oublié. Allons reviser. Allons, on va travailler ensemble. Je n'y arrive Écoute, pas. On fait comme ceci. On part au parc. Je ne peux pas aller au parc. Je vais t'expliquer. Je vais te donner mes tactiques. Écoute, je dois réviser. Moi, j'ai fait ça le semestre passé. Je vais te donner mes tactiques. Ok. Je pense. Oui, tout ira, allons-y. Prends tes effets. Là, le show a commencé.